ça vous apprendra au cinéma comme au théâtre, surtout dans un documentaire. Une entrée prématurée est une entrée ratée. On sait que vous sortez de l'ère primaire, mais ça ne vous autorise pas à entrer le premier. Car on a trouvé probablement beaucoup plus vieux que vous. Le mille pattes, c'est dans 5 minutes. En attendant, désolé, on vous laisse tomber. Nous sommes au Brésil, sur un plateau, 1100 mètres d'altitude. Ici, près de la rivière Tripuí, dans les petites cavités naturelles de ces berges, règne une forte humidité et une température constante. Un des climats de l'ère primaire. Voici donc un véritable fossile vivant. Plus de 500 millions d'années. Terrestre, mais encore dépendant des biotopes humides. Le péripate. Du grec péri, autour, et patéo, je me promène. Comme les philosophes péripatéticiens dissertaient à propos d'Aristote en se promenant dans le lycée. Et comme les péripatéticiennes, sur les trottoirs. À la différence que le péripate se promène beaucoup mieux. Pourtant, il est quasiment aveugle. Deux yeux simples qui ne perçoivent la lumière que pour la fuir. Grâce à ses antennes hérissées, entre autres, de fins piquants à sensibilité tactile, il se dirige dans l'obscurité de son habitat en péripate tâtonnant. Ce qui le rend passionnant pour les scientifiques, c'est qu'il tient à la fois du ver marin, comme le Néréis, plus ancien dans l'évolution, et d'un autre articulé, plus avancé dans la conquête de la Terre, le mille-pattes. Son corps est segmenté, comme le seront plus tard les insectes, et surtout leurs larves. C'est donc un articulé, fait d'une série d'articles reliés entre eux. Mais sa segmentation est surtout intérieure. Elle se traduit par la succession des pieds, qui n'en sont pas vraiment, mais qui déjà sont inclinés, pas encore comme ceux du mille-pattes, mais on sent, dans l'évolution, la sortie de l'eau et le début de la conquête de la Terre, avec des griffes pour agripper la Terre. Dépendant de l'humidité, mais bel et bien libéré de l'eau. S'il y tombe, il flotte, grâce à cette combinaison veloutée hydrofuge. Et alors, quel tout-terrain ! Trois vitesses et une marche arrière. Vitesse lente, quelques lobopodes seulement, c'est le nom qu'on donne à ces pieds lobés, sont en action, synchrones dans une même paire. Tous les autres sont débrayés. Vitesse moyenne, la plus utilisée, avec tous les lobopodes, mais en alternance, bâbord et tribord. Changement de vitesse pour un sprint. On repasse en synchro des deux côtés, avec des contractions du corps pour lancer le galop. Car c'en est un. À chaque élan, plusieurs paires quittent le sol. Curieusement, les derniers de ces lobopodes, ou de ces protopathes, pourrait-on dire, ne servent à rien. Attention, lumière en face. Marche arrière, toute. Mais le plus étonnant chez ce papy, ce sont ses papilles, de chaque côté de la bouche. Si on l'attaque,
elle projette une sorte de chewing-gum. Une protéine liquide qui, à peine libérée, devient visqueuse et collante. Neutraliser le scorpion dans l'agneau. Avec ça, carnivore le fossile vivant. Il se régale ici de morceaux de blattes. Mais voyez donc ce que le péripate est en train de faire. Il se déshabille lentement. D'abord, le haut. Comme pour une combinaison de plongeurs, il commence par une boutonnière près de la tête et finit par se dégager tout entier. Car il mue. Et savez-vous de quoi est faite cette enveloppe translucide, imperméable, d'une épaisseur d'un micron, un millième de millimètre, d'un polysaccharide aminé? Type d'information, au premier abord, ne servant qu'à miner le moral du téléspectateur. Mais c'est un matériau célèbre, la chitine. Parce que le chiton, dans l'Antiquité, c'était la tunique des Grecs. La chitine, c'est le brevet d'invention qui a rapporté à la vie beaucoup plus que tous les autres, grâce auquel elle a réussi ce coup fabuleux. Le squelette externe. 450 000 espèces de crustacés armés comme le chevalier Bayard, sans compter des champignons et des lichens. Et sur 1 million d'espèces animales connues sur la Terre, 750 000 espèces d'insectes, dont 300 000 coléoptères au moins. 6 fois plus que tous les vertébrés réunis, y compris l'homme, qui, entre parenthèses, ne risque rien ici. Ce lucane ou scarabée cerf-volant est inoffensif. Mais quelle carapace! Ultra légère, solide, la chitine, le secret des invertébrés. Vos vertèbres, vous pouvez les garder. Top aux 1000 pattes. Voilà. Maintenant, c'est à vous. Environ 17 000 espèces de 1000 pattes. Mais on en découvre de nouvelles sans arrêt. 8 000 de l'espèce de celui-ci, les diplopodes. Ce qui veut dire que leurs pattes vont par double paire. 2 paires par anneau. Famille des yules. Beaucoup d'anneaux, beaucoup de pattes. Jamais 1000 en fait. Au maximum, 240-250 paires. Et plus ils en ont, moins ils vont vite. Pour les yules, 30 à 50 cm par minute, 30 mètres à l'heure. Record des 1000 pattes, toute catégorie, un yule tropical, 130 cm à la minute, 78 mètres à l'heure. L'étrange est ce phénomène des ondes qui parcourent leurs pattes. C'est qu'elles sont rassemblées, puis écartées, progressivement et par groupe. C'est un système tout-terrain. Le mille-pattes est le seul animal à différentiel et changement de vitesse. Les pattes qui grimpent ne vont pas à la même vitesse que celles qui font du plat ou qui descendent. L'avantage d'être articulé. Pour féconder sa femelle, ce diplopode, étudié entre autres par Jean-Marie Demange, prend ses nombreux pieds de diverses façons. Avec une première paire de pieds transformés en crochets, il la grippe. Avec les ventouses qu'il a sur les appendices des autres pieds, il l'assure. Pas de problème, elle est coincée. Oui, mais voilà,
son pénis est trop court. Aussi a-t-il transformé deux autres de ses pieds, que du coup on appelle gonopodes, pour recueillir son sperme sur son pénis et aller l'introduire en quelque sorte à la main. Laborieux, mais ça marche depuis l'ère primaire. Et si vous découvrez, sous l'écorce des platanes, où il se nourrit d'algues microscopiques, ce mini mille-pattes, entre 2 et 5 mm de long, fichez-lui la paix. C'est le polyxène dit lagurus, de lièvre en latin. À cause de ses poils, qui en font avec ses antennes, selon le mot d'Yves Coineau, une vraie station météo. Il mesure la température et l'humidité comme un grand. Le voici donc, le papy terrestre des insectes. Peut-être pas directement leur aïeul, mais du moins leur arrière-tonton. Armure de chitine, percée de trous, avec des canaux renforcés de chitine, les trachées, pour respirer sans poumons comme les insectes. 300 millions d'années au moins. Carbonifère, garanti et au-delà. C'est bien pourquoi, dans certains laboratoires, on étudie sa résistance aux radiations nucléaires. Passage de comètes ou explosion de supernova, il aurait résisté aux radiations dont, peut-être, les dinosaures auraient été victimes. Toujours est-il qu'aux pires catastrophes, il a survécu. Au Carbonifère, où il y eut des mille-pattes qui mesuraient un mètre, tout fut géant. À commencer par les végétaux, dont voici l'une des étranges inventions de l'époque, la canne télescopique. Cette tige est celle de la prêle. Même racine que le mot âpre, de aprel en latin. Si vous la touchez, vous la trouvez rugueuse. À cause de la silice. La silice, il y en a dans le grès, le quartz, le sable dont on fait le verre, la porcelaine. La tige de la prêle en est tellement bourrée qu'on peut s'en servir pour récurer des casseroles. On en a retrouvé dans des tombes de Gaulois. Ils fourbissaient leurs armes avec des tiges de prêle. Donc, terrain siliceux, humide, mais pas forcément en surface. La prêle est capable d'aller chercher l'eau à 3 ou 4 mètres de profondeur. De plus, elle fait des rhizomes. Pour s'en débarrasser, c'est l'enfer. Médicinale, par contre, la prêle. Reminéralisant, évidemment. Vous saignez du nez, une compresse. Laryngite, un gargarisme. Elle sort deux tiges différentes. D'abord une tige sans feuilles, sans la moindre chlorophylle, avec au bout un épi. C'est son organe pas vraiment sexuel, car la prêle ne fait encore qu'à moitié confiance à la sexualité. Voilà que des épis jaillissent non pas des graines, pas de fleurs, pas de graines, mais comme pour les mousses et les champignons, ce qu'on appelle des spores. Les spores des prêles, encore une invention étonnante. Penchez-vous pour les observer au microscope. Les voilà qui sautent comme des puces. Ne cherchez pas, c'est le rythme de votre haleine. Leur enveloppe s'est déchirée en quatre bandes élastiques. Elles réagissent aux alternances de sécheresse et d'humidité, ce qui fait déplacer les spores. Par bond. Et pour conquérir la Terre, tous les bonds sont des moyens. Ces spores, en germant, vont donner non pas directement des prêles,
mais des lames vertes, minuscules, d'un tissu ressemblant aux algues. Les unes vont libérer des spermatozoïdes, les autres des ovules. Attirés chimiquement, les spermatozoïdes vont nager vers eux sur le sol humide. De cette union naîtra une nouvelle petite prêle. C'est après la mort de sa tige de reproduction que la prêle des champs sort une deuxième tige, celle-là chlorophyllienne. Avec ses feuilles minces, verticillées, comme il est bien de dire en botanique, qui lui ont fait donner le nom latin d'Echizetum, littéralement crin de cheval. Aujourd'hui, elle monte à 1,50 m au maximum. Au Carbonifère, il y eut d'immenses forêts de prêles, de 30 mètres de haut. Ce fut alors aussi dans les marais le règne des libellules. Il y en eut de 65 cm d'envergure. Voilà ce que la vie finit par fabriquer au Carbonifère avec de la chitine. Bien sûr, les libellules ne sont pas les premiers insectes après le mille-pattes. Mais c'est parmi elles qu'on trouve, Jean Rostand Dixit, les plus agiles et les plus puissants volateurs. Celle-ci est célèbre, Aeshna cyanea, la grande libellule bleue. Filmée pour la première fois au monde à 500 images par seconde, exploit du scientifique allemand Hans-Georg Rüppel. Car la libellule, en vol, est un pilote de meeting. Vitesse, 40 km/h. Aile nervurée, fabriquée de deux parois de chitine, accolée. Muscle moteur, un quart du poids total, plus que tous les autres insectes. Transmission directe par la base des ailes. Ailes arrière, synchronisées avec l'avant, mais indépendantes, ce qui permet toutes les manœuvres. Stabilisation probable des oscillations contre les variations du vent et pour égaliser la force centrifuge en virage par rotation automatique du thorax. Tête maintenue à l'horizontale, optiquement suspendue à l'environnement. Mieux que l'horizon artificiel des avions. En permanence, le vrai. Et voici la plus belle, en Europe du moins, Calopteryx splendens, de kalos, beau en grec, et pteron, aile. C'est le mâle qui est beau et bleu. Il faut qu'il se fasse voir de loin. Il surveille son territoire en chassant les autres mâles. Ceci est le vol menaçant. Ailes plus longtemps maintenues en arrière, puis grand angle vers l'avant. C'est pour faire voir à l'intrus le plus de bleu possible. De face ou de côté, il annonce la couleur. Et que l'on nous pardonne de citer, pour une fois, dans un documentaire culturel de l'argot le plus pur, cela veut dire très exactement « casse-toi ». Je cherche une femelle dans mon coin. Ah, tout de même. En voilà une, verte, camouflée. Monsieur Calopteryx augmente alors la fréquence de battement de ses ailes, jusqu'à 60 par seconde. S'il touche la surface de l'eau, ce n'est pas qu'il en perde ses moyens, c'est pour l'inciter à pondre et lui montrer les endroits qu'il a choisis. «
convaincu. Il lui saisit la tête. Et c'est elle, en se courbant, qui va chercher le sperme sur son organe copulateur. Vous allez maintenant assister à une tentative de viol. La femelle est en train de pondre dans l'eau, là où M. Caloptérix le lui a indiqué. Arrive un autre mâle, qui n'en a cure et veut la féconder quand même. Un intrus doublé d'un malotru. Non mais, ça va pas à la tête? Deux fois rejeté. Colère bleue. Il n'est pas rare qu'une libellule enceinte soit violée. Mais nous allons en voir une à qui cela ne peut pas arriver. Nous sommes en Allemagne du Nord, dans une lande. Voici comment le mâle de la libellule des Landes, Saint-Petrum sanguineum, de couleur rouge sang, surveille jalousement sa femelle, jusqu'au moment où elle pond, en la faisant pondre en tandem. Certains pensent qu'il faut voir cela dans le cadre de la théorie de la sélection des gènes. En surveillant sa femelle fécondée par lui, le mâle protège son propre patrimoine génétique. Aucun violeur, cette fois, ne s'approche. Et il fait mieux que la surveiller. Il l'aide à pondre, là où il veut qu'elle ponde, sur les herbes humides, au bord de l'eau. Imaginez, il y a 300 millions d'années, le même spectacle, avec 65 cm d'envergure. Et si vous avez aimé ce spectacle, ne manquez pas le prochain épisode des Inventions de la vie. Nous vous raconterons la conquête de l'air par les autres enfants de la chitine, inventés par la vie. À commencer par celui-ci, l'insecte aux yeux d'or. Il s'est posé sur le nez des dinosaures.